C'est au cours de l'une de ces cures à Plombières que Napoléon III rencontre Cavour. Le tête-à-tête secret dure 7 heures. Le ministre du roi Victor Emmanuel de Sardaigne, qui aspire à faire de l'Italie un seul État, convainc alors Napoléon III d'aider l'Italie à faire son unité. La France s'engagera à la condition que l'Autriche soit l'agresseur. Le 19 avril, l'Autriche lance un ultimatum à Turin. Cavour refuse de s'y soumettre. Et le 3 mai 1859, l'Autriche déclare alors la guerre. Napoléon III, qui a promis de permettre l'unification de l'Italie, s'engage alors aux côtés du roi Victor Emmanuel. Le carbonaro qu'il a été s'engage alors auprès de l'Italie.